Bonjour, moi c'est Ulrich, je suis analyste quantitatif au sein du département risque, modèle, data science de la Société Générale. Bonjour, moi c'est Audrey, je suis chef de mission à la direction de l'inspection générale et de l'audit interne du groupe Société Générale. Dans notre équipe, nous travaillons au quotidien à protéger la banque et à travers elle ses clients et l'économie en développant des modèles mathématiques dont l'objectif est de mesurer et d'anticiper l'occurrence potentielle de risque. Nous nous intéressons principalement à trois risques, le risque de crédit, le risque opérationnel et le risque climatique. Le rôle de l'audit interne est de donner au management la vision la plus lucide possible sur la gestion des risques de la banque et aussi de contribuer à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La construction d'un modèle est un processus parfois assez long, pouvant aller de 3 mois à 2 ans. On commence par bien identifier le besoin et le périmètre, et en ça, nous sommes aidés par les métiers avec qui nous travaillons étroitement. Ensuite, on collecte les données auprès des équipes data ou des économistes du groupe pour ensuite construire les modèles et avant de les soumettre à la validation interne, à l'audit interne ou au régulateur. Pour chaque mission, on a trois phases. Donc une phase de diagnostic pendant laquelle on va étudier en profondeur, essayer de comprendre le processus clé du périmètre. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase d'investigation pendant laquelle on va approfondir l'analyse des zones de risque identifiées lors de la phase de diagnostic. Et la troisième phase, c'est la phase de restitution et de rédaction du rapport d'audit pendant laquelle on va évaluer le niveau de risque de manière objective de l'entité. Et on va également formuler des recommandations afin de remédier aux risques qu'on aura identifiés. Ces recommandations seront ensuite suivies dans le temps par les auditeurs. L'équipe d'audit des modèles de la Société Générale est composée environ d'une vingtaine d'auditeurs répartis sur trois sites géographiques, donc Paris, New York et Bangalore. Il faut savoir également qu'on échange beaucoup lors des missions entre auditeurs. Il y a un échange constant. Et en plus de ça, on a un temps consacré à la formation assez important puisqu'on doit être toujours à la page sur les techniques quantitatives et les techniques d'audit. À mon entrée à la Société Générale, j'ai été assez surpris de constater que mon métier est un bon point d'entrée dans la banque, puisqu'il me donne la possibilité de travailler avec pas mal de métiers, et ce qui me donne une vue transverse des activités de la banque. À ce titre, nous avons la possibilité donc d'évoluer vers d'autres corps de métiers, sur l'activité de financement de projets, les activités de marché, ou même les activités d'audit. Qui sait, peut-être un jour je serai à la place d'Audrey. Comme pour le RIS, je suis d'accord sur les possibilités offertes par le groupe et de tester d'autres métiers offerts par la Société Générale.